métaverse n'est pas une chose nouvelle. Dans à la fin des années 2000, Second Life était le plus connu et il y en a eu plusieurs autres. Et en général, on considère qu'il s'agit de se connecter. À l'époque, c'était sur un site web et on a accès à son avatar qui se déplace dans un univers persistant, c'est-à-dire qu'il va durer même quand on est absent et qui nous permet de nous connecter à d'autres avatars pour réaliser des activités très ordinaires comme discuter, se promener ou bien aussi des événements, participer à des événements. La différence avec ce qui se passe avec le métaverse de Mark Zuckerberg, de Meta, donc, c'est que désormais nous accédons à ces univers-là avec des lunettes de réalité virtuelle, avec un casque de réalité virtuelle, qui du coup nous conduit à une expérience beaucoup plus importante, beaucoup plus riche, beaucoup plus immersive. C'est en même temps un univers là, qui désormais va permettre de monétiser tout ce qui est présent, tout ce qui est disponible sur ces activités. C'est d'une puissance assez considérable puisqu'on suit à la trace toutes les activités des avatars, donc on peut vraiment savoir tout ce qui s'y passe et donc réellement avoir un public engagé et le vendre aux marques d'une part, et puis d'autre part parce que ça va capter l'attention totalement, parce que vous êtes pris dans tout un tas de sollicitations, tous vos sens sont occupés. Mark Zuckerberg a l'intention de faire évoluer son modèle économique pour ne pas trop dépendre de la publicité. Et en réalité, il est en train d'organiser et de prétendre développer ce qu'on appellerait un système d'exploitation. C'est assez quelque chose qui n'est rarement mis en avant à propos du métavers. Mais en réalité, Zuckerberg se plaint souvent du fait qu'il dépend en réalité des systèmes d'exploitation de l'Internet mobile que sont iOS d'un côté, d'Apple, et Android de l'autre. Évidemment, il ne veut plus dépendre de cela, il voudrait être autonome. Et ce qu'il propose avec son système, c'est vraiment le système d'exploitation de l'Internet mobile basé sur ces lunettes de réalité virtuelle pour le moment, mais qui en réalité deviendront surtout des lunettes de réalité augmentée. Et donc, il a tout intérêt à essayer de devenir le leader dans ce domaine-là et à devenir celui qui organise le système d'exploitation de référence sur lequel tout le monde viendra. Et toutes les marques et l'ensemble des offres de services se feront dans son magasin d'applications, dans son App Store, à lui. Et à partir de ce moment-là, ce sera précisément quelque chose qui générera d'autres types de revenus. Et alors là, évidemment, il y a des modèles économiques énormes qui peuvent être générés. Il a déjà sa place de marché sur Facebook, il a déjà une monnaie virtuelle. Et tous ces éléments-là constituent une occasion de monétisation absolument de toutes les activités qui se dérouleront sur ce métavers. Alors j'emploie l'expression « le métavers dont le prince est un enfant » en référence à la pièce de Monterland et puis à un verset de l'Ecclésiaste, mais seulement pour signaler qu'en réalité, Zuckerberg n'a pas les capacités de gérer et d'instituer surtout un espace aussi massif. On l'a vu à travers les réseaux sociaux et la façon dont il les a gouvernés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas d'institution, il n'y a pas de droit, et c'est un bazar innommable. Et on est appelé à sans arrêt rattraper les erreurs, et pour ça il s'excuse, c'est tout ce qu'il peut faire, et essayer de corriger à la marge. Mais nous avons un vrai problème. Quand on équipe 2 milliards d'individus d'un réseau social, il faut avoir le sens de ses responsabilités pour organiser cet espace de vie collective. Il ne l'a pas fait pour les réseaux sociaux, pour Facebook, il ne le fera évidemment pas pour le métavers, puisqu'en réalité, c'est toujours un peu la même chose. Il s'agit surtout de pousser la technologie, de la laisser faire plutôt même, et on appelle ça plutôt du passage à l'acte, alors qu'il est grand temps, dans ce contexte-là en particulier, de penser le droit, de penser les institutions qui méritent de rendre la vie possible, la vie sociale acceptable, et qu'on ne soit pas dans des logiques de polarisation, de conflit et de dictature, j'allais dire, de l'algorithme. On a quelque chose, de ce point de vue-là, à inventer, et ce n'est pas Zuckerberg qui est capable de le faire. Il n'a pas la culture, et donc à partir de ce moment-là, il est grand temps d'ouvrir le débat public sur la question de comment va-t-on réguler ces métavers si l'on souhaite les développer, si on veut les laisser se développer. Il va falloir d'emblée leur donner un cadre légal pour garantir les places à chacun et qu'il ne se soit pas la guerre généralisée et ce passage à l'acte permanent.